malheureusement on ne pouvait pas du tout s'entraîner, donc moi ça m'a beaucoup impacté et j'avais pas accès aux sauteurs en longueur pour me préparer en saut en longueur, donc c'était assez particulier. Mais le deuxième confinement a été beaucoup plus serein pour ma part. J'avais accès aux installations sportives, donc j'ai quasiment pas vu la différence par rapport au fait d'être déconfinée, donc je l'ai beaucoup mieux vécu. Alors le premier confinement, moi je l'ai vécu dans mon appartement, un peu comme vous, enfermée, j'ai pas pu faire de sport. Du coup j'ai perdu beaucoup de muscles, la reprise a été assez difficile. Mais le deuxième, heureusement, on a eu accès à nos salles de sport, nos entraîneurs et nos kinés. Étant blessée, j'ai pu me remettre petit à petit. Je pense que d'ailleurs les blessures étaient dues au premier confinement et à la perte de muscles. Heureusement, le confinement a été beaucoup plus facile à vivre pour nous les sportifs et pour moi. J'ai pu m'entraîner et prendre soin de moi. Mais il faut savoir rester mobilisé, autant physiquement que moralement. Et pour ça, je me suis basée sur des éléments vraiment très forts pour moi et beaucoup de stabilité que sont ma famille, mes proches et mes entraîneurs aussi. Depuis mars dernier, on n'a pas eu de compétition internationale et on vient d'apprendre qu'on n'en aurait pas avant mars 2021. Du coup, ça fera un an sans compétition. Notre équipe est qualifiée aux Jeux Olympiques. Je peux déjà me préparer aux Jeux Olympiques. Ça aide moralement à tenir bon. Donc finalement, je me sens assez bien et j'essaye de rester fixée sur l'objectif principal, d'être médaillée aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. C'est une année supplémentaire pour ma part pour aller chercher, j'espère, un podium aux Jeux Paralympiques 2021 avec des objectifs qui sont encore plus importants que ceux que j'envisageais pour cet été 2020. Objectif médaille, je reste focus là-dessus, je m'entraîne pour ça et je baisse pas les bras.